Mince alors, qu'est-ce que ma mère et mes amis diront? Non, il ne faut pas. Je ne dois pas être intriguée par des sports de garçons. Leïla? Mais Leïla, tu regardes quoi là? Mais ce que tu regardes, c'est pour les garçons. Non mais tu devrais plus regarder Barbie au bal des 12 princesses. C'est un film qui est pour les filles comme toi. Douce, gentille, mignonne. Toutes les filles de ton âge regardent ça. Mais c'est quoi ça? Tout le monde est si injuste. On m'interdit de faire quelque chose qui me plaît. On me le censure presque, juste pour mon sexe. Je déteste vraiment notre société actuelle. Elle nous impose tout ce que nous devrions être. Penser, agir et des normes à respecter, dues à notre sexe biologique. Ça me saoule, j'en ai marre. Je veux vivre, me libérer. La boxe me rassure. Ma mère ne comprend pas. Elle me dit toujours cette phrase qui m'énerve plus que tout au monde. Tu ne peux pas, car tu es une fille. Pourquoi les filles n'auraient-elles pas les mêmes droits que les hommes? Pourquoi sommes-nous tous restreints à quelque chose? On doit se contenter du minimum et se taire. Il en est hors de question. Papa, évidemment, n'est jamais à la maison. Toujours au boulot. Maman, elle, à la maison, presque emprisonnée. Mais elle, maman, elle est comme les autres. Elle suit, quand on lui impose quelque chose, c'est comme si elle ne réfléchissait pas. Bref, cher journal, j'aimerais beaucoup faire de la boxe, mais je ne sais pas comment. Tout est si compliqué, il faut que je demande conseil à quelqu'un. T'as un appel. Allô les filles? Allô Léna, ça va? Oh, non, pas vraiment. En fait, j'aimerais faire de la boxe, mais je ne sais pas comment le dire à ma mère. Mais Léna, la boxe, c'est pour les garçons. Ouais, c'est vrai, je te comprends pas. Une fille, ça doit être douce et délicate, pas brutale et agressive. En plus, aucun garçon ne voudra jouer. Elle a raccroché? Pourquoi ils ont tous cette façon de penser? J'en ai assez des défauts de la société qui nous impose tout ce que nous devrions être. Il faut que j'aille parler à maman. Maman, faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe, ma princesse? Écoute, maman, je voudrais faire du sport. Oh, sérieux? Mais quelle joyeuse nouvelle! Tu vas faire quoi? De la danse classique? Du patinage? Oh, t'es si douce comme fille. Non, à vrai dire... Comment ça, non? Tu veux faire quoi, alors? Je veux faire de la boxe. Boxe? Boxe, ma propre fille? Non, mais c'est une mauvaise idée, là. Non, ce n'est pas une blague. J'adore l'expression artistique que dégage ce sport. Mais depuis que je suis toute petite, tu ne veux pas me laisser regarder. Non mais j'ai des bonnes raisons de l'interdire. Non mais regarde, la violence, les coups, tout ça, c'est pour les hommes. Explique-moi maman, pourquoi est-ce qu'il y aurait des sports spécifiques aux garçons et aux filles? C'est du n'importe quoi. Pourquoi les filles devraient être tout le temps considérées comme fragiles? Ce sont des bêtises tout ça. Ça suffit. Qu'est-ce qui t'a éduquée comme ça? Tu devrais avoir honte de parler comme ça. Je vais en parler avec ton père. On verra ce qu'il en pense. Allô, William? Tu rentres bientôt du boulot? Ok, bah je t'attends alors. Chérie, écoute, j'ai tenté de parler avec ta fille. Elle veut faire de la boxe. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle ne comprend pas. Je sais pas quoi faire. Ma chérie, notre fille peut faire de la boxe. Pourquoi ne veux-tu pas? Non mais William, tu t'entends parler? T'es toujours là à avoir un rôle parfait dans cette société. T'as jamais été présent pour elle. Et tu oses parler? Bon ok, désolé de m'être énervée, mais si tu me le permets, j'irai lui parler. Très bien, vas-y. Ma fille. Oui papa. Tu sais, Leïla, ce n'est pas bizarre de vouloir faire de la boxe. C'est la société qui essaye de nous faire entrer dans des cases. Je comprends ton sentiment de rejet. Ta mère n'aurait pas dû promouvoir ses idées du style « ça c'est pour les garçons et ça c'est pour les filles ». Je trouve ça tellement ridicule. Mais écoute, ta mère ne le fait pas exprès. Elle a été éduquée ainsi et a été influencée par son entourage. Mais à vrai dire, j'aurais dû être plus à tes côtés. En tout cas, sache que les pionnières des métiers ont été dirigées par des femmes.